On est parti. On est parti. Let's go. Rue Paveno pour les 1000 bits, merci. Et merci pour le train de la hype. Merci à vous. Par contre, elle a donné du chien la voix là. Il y a le train, donc je monte à bord HC Tonlurk. Merci pour les 100 bits. Oui, c'est le début, je connais. Le jeu est beau, hein. Bon, que c'est les cinématiques, mais... Avec les voix japonaises, c'est incroyable. Ishii Nashina. Putain, j'ai cru que c'était à ma fenêtre qu'il y avait un corbeau. Bah c'est gratuit ça. ノライヌが心すらなくしたか。ああ。共に来るか。飢えた狼よ。そして戦場で拾われた狼は。Bonjour Quel。Bonjour。修行の末、熟達の忍びとなった。 Bon, il a fait une cicatrice à vie, par contre son épée était aiguisée, hein. Il a caressé la joue, ça fait une entaille à vie. Ok. Donc nous sommes un maître shinobi au nom de Lou. Isshin no Kunitori kara 24 nen. 20 ans après le coup d'état d'Isshin. Ashina no kuni wa shayou ni ari. Okami no shinobi wa subete o ushinatte ita. Sodate no gifu mo mamoru beki aruji mo. Oh là 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 là. Je sens que je vais kiffer, je sens que je vais kiffer. Shinobi yo. Nezamete kudasai. Anata no aruji no tame. Les deux, Paveldo. L'un n'empêche pas l'autre. Je peux kiffer et rager. Pff, oh là là. Ah putain, oui, on a pris un vrai coup de vieux. Par contre, il a un vrai flow, hein. Je sais pas s'il y a une personnalisation, mais je pense que je vais laisser comme ça, hein.
Ok. Je peux sauter. Et c'est tout ce qu'on peut faire. On peut juste sauter. Lettre décorée. Une lettre jetée au fond d'un puits. Loup de Kuro, ton destin se joue à la tour de la lune. Échappe-toi du puits et trouve la tour baignée de lumière lunaire. Même sans épée, tu peux y accéder. Reste silencieux, reste vigilant. Ok. Bon, c'est le didacticiel, tant mieux. Ah, ok. Contre les murs, on peut faire un double saut. Enfin, un saut mural. Réservoir d'Ashina. Je vais fouiller derrière. Y'a rien. Merci Théo pour le Prime, bienvenue. Merci à toi. Et salut Trop. Oh, je suis bête, je vais retomber. Je crois que je peux pas sprinter pour l'instant, je peux juste m'accroupir et sauter. Suspendu à un mur, progresser, ok. Elle, au bord du mur, jeter un coup d'œil. Il y a deux gardes. Avancez sans être vu, en vous accroupissant dans les buissons ou en vous déplaçant sous le sol. Vous n'avez pas d'épée actuellement, évitez les ennemis avec furtivité et allez à la tour de la lune. Un avertissement apparaît au-dessus de la tête des ennemis si vous êtes sur le point d'être détecté. Ok. Ah mais c'est des mecs au-dessus, ok. Je sais pas pourquoi il y a une... Ah, espionné. Ouais, j'ai fait une story Insta Douja. Bien sûr, bien sûr. Ça doit être ça la tour de la lune? Je sais pas, de toute façon on va y aller, on va voir. Ouais, ok, merci. Il y a un trou en face de la falaise pour y accéder. Ok. Oh, oh, pop, pop, pop. Ah, d'accord. Je voulais longer le mur, j'ai cru qu'il allait jeter dans le vide. J'ai cru ma première mort. De toute façon, ma première mort, on va essayer vraiment de la retarder le plus possible. Sauter puis se suspendre au rebord. Ok. En bas à gauche, c'est ma barre de vie, ouais. Le frérot est en mauvaise santé. Oh, par contre, c'est trop bien de faire des doubles sauts. On peut vraiment... On peut aller un peu partout. Hein. Une petite fille. Ok. Ah, c'est un petit gars. 50 mois, c'est plus que 49 mois, plus que 48 mois, plus que 47 mois, plus que 46 mois, plus que 45 mois, plus que 44 mois, plus que 43 mois, plus que 42 mois, plus que 41 mois, plus que 40 mois, plus que 39 mois, plus que 38. Kusa Bimaru. Oh là 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 là. Ok, là on a l'effet, ça devient intéressant. Kusa Bimaru. Je vais trop kiffer. J'aime trop l'ambiance shinobi, katana, tout ça. Pff, avec les VO, ça va être un kiff. Ok, j'ai fait un serment, je lui dois ma vie. Enfin, j'ai ma vie à son service. Kyori. Kusabimaru. Un sabre offert par Kuro
l'héritier divin. Il appartient au Hirata, une branche de la famille Ashina. On a longtemps cru qu'il était perdu, mais Lou l'a de nouveau en sa possession. Le fourreau et le manche sont d'un noir banal. Son nom signifie lien avec ce qui est précieux. Et on dit que la lame incarne ce sentiment. Kusabimaru, ok. Bon, maintenant je suis équipé. Lou loyal, je vois que tu es blessé. J'ai quelque chose qui pourrait t'aider. C'est une gourde d'eau médicinale. Utilise-la pour soigner tes blessures. Gourde médicinale, une gourde d'eau médicinale qui restaure la vitalité, se reposer, remplira la gourde. Ok, fabriquée par un apprenti de l'incroyable docteur Dogen. Le remplissage automatique de la gourde peut sembler étrange, mais les graines qu'elle renferme expliquent peut-être cela. Ok. その後、大事はないか。その後とは覚えておらぬのか。はい。うん。いや、司祭は後にしよう。今はこの足の城を脱さねばならぬ。了解。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずは Ok, donc maintenant c'est le Seigneur, ouais, celui qui a fait le coup d'état là. Ishina, Ashina. Ok. Utilisation d'objets rapides, vous pouvez passer en revue vos objets, ok. Donc flèche sur les côtés pour changer, puis flèche du haut pour le consommer. Équipement. Ok. Idole de retour chez soi. Un petit bouddha en bois qui tient dans la main. Peut-être utilisé à répétition. Cette idole appartient à Lou depuis que celui-ci a été sauvé par son père et ses angles ont été arrondis par l'usure. Utiliser ce bouddha permet de rentrer chez soi. Ok. Juste équiper la gourde. Sabimaru, c'est mon arme. Ok. Ok, donc j'ai équipé la gourde. Et donc là, faut que j'aille au pont-levis. Boulettes. Des boulettes médicinales qui rendent de la vitalité. Ce traitement secret se transmet depuis des générations et l'on dit qu'il est depuis longtemps utilisé au combat par les guerriers Ashina. Qui lui doivent la réputation. Salut BG. De résistance exceptionnelle. Merci la Kekoul pour les 35 mois. Et yo. Je pense de toute façon faut sortir là. On va se battre. Je vais peut-être prendre de la vie aussi. Et les boulettes, voir. Ok, c'est sur la durée. Bon, j'ai utilisé tous mes trucs de heal, mais je pense que j'en avais besoin. Posture et coup mortel. Un shinobi vise à briser la posture d'un adversaire. Attaquer l'ennemi est une manière d'y parvenir. Un ennemi déstabilisé peut être tué d'un coup mortel de shinobi. RB attaqué. Sur un ennemi déstabilisé, coup mortel, ok. Ok, je peux les battre en sneaky. Oh putain, ça gicle par contre. Et viens là toi. Ok, B c'est pour faire des esquives. Et là, posture brisée, je tue. Ok. Mais ce jeu est violent. Ah bah oui. Tu t'attendais à quoi? Ok, ça c'est pour se limiter. Oh, j'ai pas de barre d'endurance. C'est le bonheur. Dévié. Certaines ennemis peuvent pas être déstabilisés uniquement par des attaques. Dévier une attaque permet aussi de briser la posture. Les meilleurs shinobi utilisent un mélange d'attaque et de déviation. Pff, oh lolo, j'aime bien. J'ai pas d'ennemis à loot, j'ai rien, j'ai juste à tuer et avancer. Ok, verrouillage. Allez, 1v2.
ouais, mais c'est fort du coup de dévier au bon moment. Tu les one-shot instant. Merde. Voilà, chef. Contre-taillade. Dévie une attaque puis exécutez aussitôt une contre-taillade. Cela vous permet d'infliger des dégâts à la posture sans donner le temps à l'ennemi de récupérer. Ok. Oh là là, il est vif lui. Wesh. Putain. Je sais pas ce que c'est la barre en bas. Oula. Il est en train de me péter là. Je sais pas ce que c'est la barre en bas, j'ai pas envie qu'elle soit remplie. Remplie, pardon. Ouais, je suis un ouf. Ah, c'est mon cardio, c'est mon cardio, c'est mon cardio. Coup mortel contre les ennemis puissants. Un seul coup mortel ne suffit pas contre certains ennemis. Le nombre de coups mortels nécessaires pour tuer un ennemi est indiqué par les marqueurs circulaires au-dessus de la jauge de vitalité. Un marqueur disparaît après chaque coup mortel. Ah oui, d'accord. Donc là, faut que je fasse encore un coup mortel à lui. Il m'a brisé ma garde. Putain, c'est un malin lui. Ok, je peux charger mon attaque. Je vais mourir. C'est un vrai combat épique là. Putain. Allez, première mort. Ouais, faut que je tente des esquives. Attends, mais lui, il est vif là. C'est pas aussi facile que prévu. Ah, faut que je recommence. J'ai pas de temps à perdre avec ces bouffons. Il faut que je fasse les esquives parfaites en fait. Son pote, il va y aller en premier. Ok, ça c'est bon. Viens là, toi maintenant. Oh, j'ai de nouveau mon heal. Alors, petit bouffon. Voilà. C'est plus la même maintenant, hein. C'est bon, je me suis vengé instant. C'était juste un bouffon. Poignée de cendre. Des cendres durcies ensemble. Les jeter sur un ennemi pour le distraire temporairement.
Temporairement, pardon. À Ashina, la neige tombe de masse, en masse et la terre s'épaissit de cendres. Ok. Merde. Attends, je voulais voir derrière. Attends, j'aime bien, c'est trop dynamique. C'est fermé, je suppose. Ouais. Je peux m'accrocher là, mais pour aller où? Je peux pas monter là. En fait, il y a un truc là-bas, mais je peux pas... Ah, si, je peux m'accrocher ici. Ok, let's go. Qui est en dessous du pont là? C'était un mec ça? Je sais pas, mais il est mort. Il y a encore des boulettes. Faudra que je teste aussi la distance à laquelle je peux sauter sans mourir. Ok, je pense que je descends tout en bas, je remonte. Cela semble être un passage pour s'échapper. Appelez l'héritier divin en soufflant dans le roseau. Ah, attends. Si, je pense que je peux l'appeler, non? Eh bien, petit. Je sais même pas si je vais pouvoir changer d'arme ou autre, parce que mon arme a l'air déjà très bien. Je ne te décevrai pas, petit. 40 à 60 heures de jeu, Isé, environ. Ok, petit avec moi. Ok, faut juste qu'on se sauve. Oui, ouais. Premier combat de boss là? Hisashina, Mikoyo. Ojiue no bozen irai ka. Ah oui, c'est direct. Genichiro-dono. Watashi wa Oyo. Ok. Sumane. Omakase yo. Jama date suru ka, Miko no shinobi yo. Oh là là là, les combats ils ont trop de flow! Genshiro Ashina. Oula oula. Il est en train de me péter lui! Oh!
Il trouve. Quoi? Shinobito te kono teido. Il m'a tout shot. Miko wa moratte iku zo. je sais même pas si je l'ai touché une fois. Je compte pas la mort, je crois que ça fait partie du scénario, mais ouais, j'ai rien pu faire. Vas-y, maintenant je me retrouve avec un seul bras. Par contre, elles sont bien aiguisées leur lame, hein. Il me l'a coupé comme du n'importe quoi. Il a coupé mon bras plus facilement que je couperais une plaquette de beurre, no joke, hein. Lost, tout est parti d'un coup. Oui. Prothèse de Shinobi. Un bras prosthétique conçu pour les Shinobi et donné par le sculpteur. Une réplique de bras humain pouvant recevoir toutes sortes de mécanismes. On l'a visiblement conçu pour l'amélioration et la personnalisation. Il a beaucoup servi et on aperçoit des taches de sang et d'huile, mais il est bien entretenu. Je suis sous prothèse maintenant. J'ai encore plus de flow. Merci Oferi pour le Prime. Merci. C'est quoi ça? Ah, c'est les messages de joueurs, non? Durée 30 secondes. Ah oui, c'est ça, ok. Omae-san, nawa nan... Sono me... Sashizume... Il a raison. Les jambes vraiment poilues. C'est les jambes d'un Yeti qu'il a. Demandez comment vous êtes arrivé là, lui parler de votre nouveau bras gauche. Bonjour Maxou. Oh, il y a encore mon maître. Celui qui m'a recueilli. Ok. Donc mon maître est encore retenu ici. Oh, le jeu est vraiment trop bon. Fragments. Les shinobi peuvent laisser des traces de leurs actions passées sous la forme de fragments. Les fragments servent à transmettre l'expérience à des pairs. Ok, donc c'est ça. Encore des boulettes.
L'idole du sculpteur. Les idoles du sculpteur servent de point de passage partout sur les terres d'Ashina. Se reposer près d'une idole du sculpteur vous rend toute votre vitalité et une charge de résurrection. Ok. Ok, donc ça c'est mes saves. Perle de chapelet, souvenir, vitalité, point d'attaque. Je pense que je vais retirer les... Je vais le faire. Honorer, rejeter. Merde. Désolé. Bon, je les laisse. Les objets que vous ne pouvez plus trouver ailleurs finissent dans la boîte à offrande. Quand le coffret s'illumine, c'est qu'il y a un objet intérieur. Ok. Une tête de mort vivant, lui. ミヌカオだな。そこもと。名は。うん。名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは。そこもとよ。ぜひ、それが知っと、立ち会ってもらおう。うん。おい。 Quoi, lui? Oui. Ah, j'avais dit qu'il y avait une tête de mort vivant. J'avais dit qu'il y avait une tête de mort vivant. Arrange ça. Sokomoto no tachisuji, migoto na mono de atta. Sore ga shi o kayou ni jiuzen ni koroshita mono. T'as pas dû croiser grand monde, hein, parce que t'es plutôt faible, hein. ナンダ死なず、あるいは虫つきと呼ぶ者もおるが、死ねぬのでただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何を。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ。 それがしを使い刀の修練をせぬかお主の使命を果たすために死ねぬ体ゆえ幾度でも斬られてやれるぞ。Ah, il veut être mon mannequin? どうじゃ? Bah ouais. C'est mon mannequin d'entraînement? よし。ではやろう。刀を振れば気も紛れるというもの。 Let's go. Certains ennemis ne peuvent pas être déstabilisés uniquement par des attaques. Dévier des attaques aussi permet de briser la posture des adversaires. Oh World War 2 et le marathon que tu en jam. Merci Supri. Merci pour les 46 mois. Oh merde. Ok. Oh merde, j'ai dormi. Sa technique à essayer, je suis là. Ok. Trop bien. Bon, lui, c'est mon gars. Il va m'être bien pour l'aventure. Grappin. Oh, trop bien. Utilisant le grappin avec la prothèse de Shinobi, vous avez accès à des endroits sinon inaccessibles et à un avantage tactique dans les hauteurs. Un symbole circulaire apparaît au point de grappin possible. Quand le symbole devient vert, le point est à portée. Trop cool. Déjà, je trouve que c'est dynamique. On n'a pas d'endurance. Et en plus, ça, du coup, il y a des grappins. Je vais kiffer le jeu.
un tour d'Ashina. Ok, donc là c'est une save. Vous pouvez agir instantanément entre les idoles de sculpteurs avec lesquelles vous avez déjà communié. Ok. Je peux m'accrocher un peu partout. Sucre d'Ungo. Un bonbon fabriqué au temple Senpo qui profite de la protection divine d'Ungo. Réduit temporairement les dégâts de vitalité subis lors des attaques physiques. Lorsque ce bonbon... mordre ce bonbon, pardon, et prendre la position... Dungo permet de recevoir les bénédictions. L'excès de karma provoque la faiblesse de l'esprit. Manger ce bonbon aide à endurer les tourments. Les moines Senpo distribuent ces bonbons dans tout Ashina pour célébrer ses héros. J'ai rien compris. Ça c'est la cendre achetée sur les ennemis et ça c'est le bonbon. J'ai tout équipé. Acquérir le butin de l'ennemi. Ouais, ok. Ok, ça c'est pour attirer les ennemis. Il a du loot, non? Merde, j'ai pas lu ce qu'ils m'ont dit. C'est pas X pour looter les ennemis? Oh non, j'ai pris la potion. Oh putain. Ah, faut laisser appuyer sur X. Ok. Bon, du coup, les pièces sont disparues. Il y a deux trucs en bas. Bénédiction d'un esprit inhumain. Les esprits symbolisent l'extrait de karma. L'excès de karma, pardon. Manger ces bonbons aide à endurer les tourments. Ok. J'ai un deuxième type de bonbon. Oh, j'aime trop le grappin. Merde. Oh, tu peux faire ça en l'air! Boulette, je suis full, donc je vais prendre une boulette là, je vais pouvoir looter. Ah non, j'ai pas pu loot. Putain, je déteste les loups. Ça bouge pas. Hein. Elden Ring, Sekiro, c'est de la merde. Ouais, j'ai un poulet. Le poulet, attends, mais il était sous stéroïde, il était fat. Je peux descendre par le toit? Ah oui. Roue de shuriken. Mécanisme créé par le génial Dogen, utilisable dans la... prothèse de Shinobi pour devenir un outil de prothèse. Bien qu'elle ne soit pas plus grande que la paume de la main, la roue de shuriken peut accueillir de nombreux shurikens. Oh, pas mal ça. Ok, donc ça a donné au sculpteur pour qu'il la rajoute à ma prothèse. Je vais lui donner tout de suite.
Je vais lui donner tout de suite la prothèse pour voir. Enfin l'amélioration. C'est qui elle ? Je l'avais pas vu. Putain, il est là depuis le début, je l'avais pas vu. Emma des. Mystérieuse. Merci Divine Dreams pour le Prime, bienvenue. Merci. Ok, c'est elle le heal. Ah, je pense que ça va améliorer peut-être mon soin. Ouais, voilà. Ouais, des graines de gourde. Ok. Donc elle, faudra lui apporter des graines de gourde. Et elle améliorera du coup ma potion. Nice. Vieux monsieur. Nin o shikomu koto de kataki tate naraba uchi kudaki subayaki tekin shikonda ningu ga fueru da korosu aite nari no soyu zuibun itsu made mo chinamagusai koto dore kashite miru. OK. Adapter les outils de prothèse. Vous pouvez adapter les outils trouvés. OK. Donc shuriken chargé. Outil de prothèse. Roue de prothèse, changer l'outil de prothèse Y, ok. Ah, ok. Donc là, je mets les shuriken. Les emblèmes spirituels sont requis pour activer les outils de prothèse et sont consommés à chaque utilisation de ces compétences. Les emblèmes spirituels s'obtiennent sur les ennemis battus et dans l'environnement. Ou s'achètent aux étoiles de sculpteurs. Ok. Oh merde. Oh merde. Oh putain. Coucou, comment tu vas ? Que en love. Oh putain, j'en ai jeté deux dans le vide. Merci Manon pour les 17 mois. Et ça va très bien, j'espère que toi aussi. Oh merde, j'ai mis ce clic. Ouais, j'ai fait n'importe quoi. Putain, j'ai fait deux misclics, j'ai lancé deux shurikens dans le vide. Oh purée! Aïe. Oh non. Wesh, wesh! Oh putain! Je déteste les loups. Ils sont vifs. C'est qui m'a vu là? Ah, c'est le poulet. On va le laisser tranquille. Hein. Attaque risquée. Il est possible de bloquer les attaques risquées. Elles sont indiquées par un symbole danger. Ah, donc c'est ce qui m'a fait tout à l'heure le mec. Quand vous faites face à l'une de ces attaques, observez et réagissez de façon appropriée. Quand un stockport
dévié quand un balayage porte sautait. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. Donc attaque risquée, faut que je sache. Ok, faut que je sache quelle attaque c'est et faut que je m'adapte. Donc faut soit que je saute pour un balayage, soit que je dévie quand c'est un coup. Ou s'il veut me saisir. Ok. Après tomber au sol, vous mourrez sûrement. Récupérez plus vite en faisant une roulade si vous êtes à terre ou déstabilisé. Oh là 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 là. Faut que je me soigne. C'est chaud. Oh sa mère, c'est chaud. Il est pas mort. J'ai plus de potion, moi. Ok. Combat épique. Oh la vache. Oh, oh c'est chaud. Une perle de chapelet. En offrir 4 à une idole du sculpteur permet d'augmenter la vitalité de la posture. Ok, donc c'est ça pour améliorer mes stats. Oh bah nickel, il m'a donné une graine de gourde aussi. Donc là je peux améliorer ma potion. Les combats sont trop stylés. Putain, j'ai cru que j'allais d'ailleurs. En fait, j'avais perdu toutes mes potions au début. Et après ça va, j'ai réussi à me reprendre. C'est la première, Enzo, c'est la première. Ils vont se ressaisir. Oh purée. On peut tellement aller partout, mais en fait, on peut esquiver les ennemis si on veut. Je vais tenter un truc. Trop bien.
je peux esquiver les dégâts de chute. Oh merde, y'a un mec. J'aurais pas dû aggro tout le monde. Oh, je suis trop con. On se casse. J'ai pas de potion. Ils savent que je suis là. Eh merde, pourquoi j'ai sauté dans le tas? Ah, il peut se protéger. Je rentre des vacances que demain, mais je me suis fait aguicher avec le titre putaclic tout rouge capa. Bref, rage bien. Je reviens dans un mois quand tu auras presque terminé le jeu Kiwani. Merci Alex pour les 41 mois. Bah, dans un mois, ce sera trop tard. Hein. Attends, cours, cours, cours. Monte là-haut, monte là-haut. Oh, sa mère. Ok, je vais tuer le mec aux pompes déjà. Petite bourse. Donne-moi de quoi manger. Là, il me faut du heal. Oh putain. Je me casse. Oh. C'est toi, Inosuke? Mon fils, as-tu vu le jeune maître? Je vais rien dire. Je vais me faire passer pour son fiston. Oui, donne-moi à manger, donne-moi, soigne-moi, maman. Je suis malade. D'accord, maman. Charme de la cloche du jeune seigneur. Un charme donné par une vieille femme qui veut que vous l'offriez à Bouddha. Ce type de charme offre à son propriétaire la protection divine de Bouddha. Mais la coutume est de l'offrir à Bouddha quand on est déjà le possesseur d'un autre charme. Le sculpteur du temple en ruine sait sûrement comment faire offrande de cet objet. Ils sont venus me chercher. Hein. Ouais, il y a un mec. Alors toi. J'ai toujours pas de. Merci. Petite bourse. Petite bourse. Ah, il y en avait trois, ok. Ça doit être l'argent de la vieille dame. Oh, Yuartic, j'avais pas vu. Il est pas mort, lui? Je vais répondre. Je viens de me faire passer pour son fils. Ah, ok.
母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。あの先母は上事のよう。Ouais, ça me pendait au nez, là, j'avais pas récupéré de vie. C'est l'héritier qui me fait revivre ? Oh ? Mourir ressuscité ? Résurrection. Le sang de l'héritier divin permet de revenir d'entre les morts avec le pouvoir de résurrection. On peut recharger ce pouvoir en se reposant à l'idole du sculpteur et battre des ennemis lui offre des recharges supplémentaires. On ne peut utiliser ce pouvoir en succession rapide, mais tuer des ennemis le rend à nouveau disponible. Ah, trop bien. Ça compte pour une mort ou pas? Ouais, oui, je suis quand même mort en vrai. C'est juste ça m'évite de refaire la route. J'ai de nouveau ma potion ou pas? Putain. C'est vraiment critique là. Gokuyo. Kuyo. Sayo. Shisha tachi no go. Mita tokoro anta mo. Gokuyo. Il vend des offrandes lui? Vous avez rencontré les pilleurs de tombes. Oh, des boulettes. Ah, mais j'ai pas beaucoup d'argent en fait, j'ai 110. Il vend une bourse, du sucre. Pétard de Robert, 500. Je ne reste pas comme je vais bientôt finir ma pause déjeuner, mais le jeu a l'air très stylé. Bon début de marathon à merci vous Charlène. En love. Merci à toi. Et bonne pause. Le jeu est masterclass. Il est vraiment trop bien. Je vais tenter quelque chose. Oh, c'est trop bien de faire ça! Je kiffe trop! Sucre de Gaichin. Gaichin. Je sais pas si je l'ai bien dit. Ok, je me suis bien rapproché. Faut que je la joue sneaky. Parce que je l'ai vu l'autre avec son canon. Canon noir. Bouton antidote. Non, je reviens pas qu'il me l'ait mis tout à l'heure. Pourquoi c'est rouge en bas? C'est peut-être des traces de sang. En fait, ça retrace un peu le passé. Donc là, c'était Emma et le jeune héritier. Yo. Il se la joue pirate, lui. Et...
なあ、旦那。あっしはあんたに会ったことがある。その頃は賊をやってやした。それから足を洗って物売りを始めたんでさ。が、銭がない。銭がないから品もない。そこで旦那、あっしにそれを元手に、旦那にもきっと、それからおまけに、あ、どうです?Ah oui, il me vend des informations. Vas-y. Zenita. Allez, je lui donne un peu. Danna. Hanashite kure. Ah, mochirun de sa. Ano yo, ashira wa Hirata no yashiki ni oshiri yashita. Hirata wa gozonji no toori, Ashina no bunke. Chinke na yatou nan za, futsu wa kaeri uchi desu. Kedo, sendatte no ikusa no ori da. Wakai samurai wa ほとんど出払ってたんでさ。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ、その最中でさ、旦那は何、あっしが知ってるのは、そう、ああ、あの世もちょうど今も何か、ねえ、お題さえいただけりゃ、ぜひ情報を買って。あ、セボン、セボン。いただいた銭を元手に品を仕入れてきやす。C'est bon, le mec, faut lui payer toutes les informations. Je peux pas. Ah non, après, c'est pas dans mes. C'est pas dans mes valeurs, sinon je pense que je l'aurais braqué. C'est bon. Il veut jouer à quoi avec moi, lui? Avec ce gros bâtard attaché à côté de nous. Ses yeux rouges craignent le feu. Je sais pas de qui il parle. Je crois qu'il était déjà mort, mais bon. Enfin des boulettes purées. C'est quoi ce bruit? Attends, y'a pas une save là depuis le temps? Ah bah tiens. Suffisait de demander. Ok. Je vais améliorer ma potion. Ouais, donc là j'ai pas encore assez pour améliorer mes stats. Je vais aller au temple. Je vais améliorer mes potions avec Emma. Je vais poser une question au sculpteur. Et après on sera bien. Ok, le petit il est dans le château. Le petit seigneur. C'est le petit. Bah, de toute façon, oui, j'avais compris. Il a le pouvoir de la résurrection, du coup. Baka. また変わったことが改正の力がな。OK. Donc là, je peux être 13 encore une fois, je crois. はい。種をひょうたん。これで薬水の数。Nickel. Donc là, j'ai plus de vie. 悪い貢献があれば、それが。そうか。ひょうたんの種を薬水の。OK.仏に備えろと渡さ、うん、あなたにゆかりのある鈴でしょうか。ならば仏のことなら。Voilà, là je vais parler au sculpteur du coup concernant la cloche. Yo vieux monsieur. チリンチリンと。チリンチリン。鈴が鳴いてるね。この古い鈴のことか。老婆が仏様に備えろと。
Ah non, ça sert à avoir plus de potions. Ok. Ouais. On va voir le Bouddha là. Prions. C'est mieux comme ça, non? Il y a 3 ans. Ah. Ok, donc là je suis en train de revivre un flashback. Domaine Elata. J'ai envie de tester quelque chose, mais c'est cheaté si ça marche. I love this game. J'ai l'impression de jouer à Spider-Man, mais en plus stylé. Ok, les pieds, je peux les récupérer d'hyper loin. C'est bien, je suis pas obligé de rester sur les corps. Remède pour soigner les brûlures. Ok. Après, est-ce que je vais avoir le réflexe de les utiliser? Ça, je sais pas. Oh, le malin. Putain, il m'a lancé de la poussière. C'est vrai que tous les coups sont permis. Oh la poucave. Ok, j'en ai un. C'est... Il y a des loups. Ça va 2 secondes. Y'a plus personne. Porcelaine, je crois que j'ai beaucoup d'éclats, je vais peut-être les vendre. Parce que je pense que je vais, à moins que je sois vraiment obligé, mais sinon je pense que je vais pas beaucoup jouer sneaky. Hein. Bon, mon gameplay ce sera la bagarre. Hein. Pff, on peut vraiment aller partout. Oh merde. Quelqu'un qui m'a vu, mais il est de l'autre côté. Ah si, j'ai pris... Je prends encore des dégâts de brûlure, là. Je sais pas, en fait.
Bon, lui, il arrive pas à rentrer dedans. Et derrière, j'entends comme une... Soit un mec dans une grosse armure ou soit un gars à cheval. Wesh. Mais qu'est-ce qu'il fout dedans, lui? Ils sont trop nombreux. Oh. Ok. Je suis dans la merde. Casse-toi. Aïe 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 aïe. Je vais mettre sous boulette. Ouais, ok, je vais me cacher. J'ai compris, maintenant je vais jouer sneaky, j'ai compris. Ils sont trop dynamiques. C'est trop satisfaisant. Il y en a un autre sur le côté. Des shinobi dans le temple et fracassez-leur le crâne. S'il vous plaît. Ok, mister. Oh, je savais pas qu'on pouvait faire des attaques sur des sneaky. Lui, il a voulu me la faire, hein. Il avançait en mode discret, il s'est dit il va me choper tranquille. Sucre de Gokan. Je vais me prendre un sucre là, je vais voir ce que ça fait. Allez, un petit sucre d'Ungo. Non, attendez, je crois qu'il y a un sucre que j'ai en plusieurs fois. Allez, je me mets un petit bonbon. J'ai l'impression que je suis un peu invisible. Ok, je pense en fait les bonbons c'est des buffs. Donc ça c'est un bonbon qui me permet je pense d'être un peu plus sneaky. Genre je vais tester. Du shinobi du singe.
Une lourde hache noire en acier utilisée par les shinobi. Utilisable dans la prothèse de shinobi pour devenir une outil de prothèse. Un outil de prothèse. Ok, donc c'est ce que le vieux monsieur me disait là. En gros, ça me permet de détruire des portes. Enfin, je pense. Je vais faire le tour. J'arrête de foncer dans le tas. Ah mais c'est... Il est dans le clan de l'autre. Ah mais non. Oui, c'est le marchand vu que là c'est 3 ans auparavant. Justement, il avait dit qu'on s'était croisés. J'ai une pagode à 3 étages en haut d'une falaise. Une jolie pagode, vraiment jolie. Je parie qu'on pourrait y trouver des trésors, c'est obligé. Donc c'est là qu'on l'a vu, lui. Figurine de Bouddha enveloppée d'un tissu rouge tenu à la main. En priant, elle rend une charge de pouvoir de résurrection. Ok. Bon, eux, je suis obligé d'y aller en frontal, je crois. Par contre, ça va être une galère là. Comment les gérer ? Faut être patient de fou contre eux. Ah putain. Ok. Ça avance bien. Dès qu'ils font leur danse, là, je relance un shuriken. Oh, j'ai plus de gourde. Oh, fais chier. Nice. Avec le feu. C'est une galère, eux. Il me faudrait une save là. Il m'a parlé d'une pagode aussi en haut de la montagne. Il parle peut-être de ça. De toute façon, faut que j'y aille.
Là, il y a beaucoup trop d'ennemis à affronter, hein. Non, bien marché. Les stocks ne peuvent pas être déviés, mais peuvent être. Ne peuvent pas être bloqués, mais peuvent être déviés. Oh putain, c'est de la merde. Oh non, non, les morts s'enchaînent. Ok, bon là je suis mort pour de bon. Oui, ça compte comme une mort. En cas de mort, l'expérience avant le point de compétence suivant et les 100 sont divisés par 2. Oh les bâtards. Là, y a pas d'histoire de je récupère mes affaires quelque part là ? Oh, je suis dégoûté. Putain, le mec avec l'arme des stocks là, il fait mal, hein. Ah, c'est bon, j'ai deux potions, fallait que je. Ok. Livre secret qui détaille diverses techniques employées par les shinobi. Permet d'apprendre des compétences de l'art des shinobi. Attaque aérienne, technique de furtivité, les samouraïs le pratiquent. Passez vos mouvements. Samurai niwa mane dekinu. Ma dou satakau sube nado. C'est genre des techniques interdites. Posséder le texte ésotérique d'un style de combat permet d'en acquérir les compétences dans le menu. Ok. Modo sa hitotsui otoke sama wa omae san ga subete miru mono soyu. Ok. Là. Ah, ça c'est une prothèse aussi. Un outil chargé de prothèse comprenant un tube de flamme chargée. Ah bah. La puissance de la hache chargée réside dans son poids. Un coup peut facilement détruire un bouclier en bois. Ok, c'est pour ça que j'ai galéré alors. Faire défiler les outils de la prothèse. Ah oui, attends. Ça, j'équipe. Inventaire, équipement. Ok. Emma, je pense qu'elle a rien à me dire. Ah ouais. Et donc là. Ah oui, ça consomme deux par contre. Ok. Acquérir des compétences. Wow, d'accord, ok, il y a des compétences. Art de shinobi, art de la prothèse. Le jeu, il va être masterclass. Taïa de tourbillon contre Minkiri. Permet de contrer un coup des stocks ennemis en écrasant la lame avec le pied, ce qui inflige toujours des cas de posture. Bah, je pense que ça peut être pas mal justement contre le mec là. Je vais prendre ça. Attaque au grappin. Oh là 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 là, il y a trop de trucs.
J'avoue que moi je pensais juste que j'avais mon mec et puis c'est tout quoi. Je vais train ma nouvelle compétence. Ok, l'autre, je vais le démonter, le mec avec son estoc là. Il y a tellement de touches par contre, du coup, avec toutes les compétences en plus. Ok. Je suis prêt. Déjà, les mecs au bouclier, là, je vais les ouvrir. Et l'autre là, l'espèce de pseudo-boss, là, je vais le démonter. Faut que je démonte déjà les mecs à côté de lui, je pense. Pour être un minimum tranquille. Je pense que je vais les laisser tranquilles maintenant. J'avais déjà fait tout le monde tout à l'heure. Quoique, attendez, en fait, ma save, je sais. Ah, je sais plus où je devais aller. C'est bon. Oh non, je suis dedans. Oh non, je n'ai plus de target. Oh, j'avais pas de target sur lui. Oh non. Putain, c'est encore la même histoire. Je vais me retrouver avec contre le boss avec une seule potion. Ah bah non, quoique, attendez. Tant qu'à faire... Ah non, faut que je me repose. Mais du coup, me reposer, ça va faire rip-hop les mecs. Ouais, logique. C'est là-bas que je dois aller. Mais je suis pas obligé de me battre contre tout le monde. Je suis obligé de monter là quand même. Là, c'était une galère tout à l'heure. Ok, je me barre. Ok. Est-ce qu'il met des aggro au bout d'un moment ?
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a des gens qui se planquent. Ça veut ma peau dehors là, ça me cherche hein. Je peux pas entrer? Peut-être par le toit. Ouvrir la porte, hein. Je peux pas. Onoshi. Oh, kanjin na toki ni oran. Iya, moshi onoshi zoku o tebi samo nakuba kono Hirata yashiki ga sou inei. Je suis pas le bienvenu. Et eux, en dehors de l'oreille, je peux pas parler comme, comme pour le monsieur là? Non. Bon. Ils sont encore en train de me chercher devant. Peut-être que maintenant que j'ai tué les mecs devant, c'est bon. Il y a un chasseur de shinobi parmi les bandits. Ça passe tout de suite mieux. Trop bien. Trop bien. Ok, bon bah maintenant avec la hache, la garde est brisée en deux. Ça m'intrigue. J'ai envie d'entrer. Qui êtes-vous? Poudre d'antidote. Antidote concocté par le clan de la vallée engloutie. Soigne l'altération poison et augmente pendant un temps la résistance à l'empoisonnement. Merci madame. T'as trouvé où la hache? Je l'ai trouvé dans une baraque par là-bas. Dans une petite maison. Et elle est vraiment bien. Elle est lourde de fou. En vrai, je refuse de croire qu'il n'y ait pas d'autres sauvegardes là. Si je meurs, je dois refaire tout ça? Oh merde. Oh non. On peut nager? Oh là là, c'est un banger ce jeu. Y'a rien à récupérer là? Attends, je vais aller nager là-bas. Oh là là. Je peux peut-être faire tout le tour à la nage alors.
Ah non, c'est des malins. J'aurais pu le tuer clean, lui, j'ai vraiment mis du temps. Ok, rien à foutre là. Oh là. Ils viennent d'où tout ça? Ils ont tous pop d'un coup. Il y a quoi dans cette grotte? Il y a des mecs. Ok, ça m'a fait faire le grand tour, mais j'ai quand même... Bon, au moins c'est bien, j'ai une save. Mais j'ai quand même envie d'aller pull up le mec devant. J'ai pas oublié. Je suis un samouraï, j'ai une fierté, je dois me venger de toutes les morts que j'ai subies. Donc le mec qui m'a tué, faut qu'il paye. Ouais, y'a du monde là. On va peut-être les respecter. Je vais redescendre. Oh putain, j'ai perdu tellement de PV. Non, j'abandonne. Putain, un mec déjà, c'est dur, ils sont deux. J'ai perdu trop de trucs. Oh, moins 450 pièces. Je vais prendre quoi? La glissade peut-être? Compétence.
courez sur une zone et glissez pour vous camoufler. Ok. C'est pas la mentale d'un shinobi. Ouais, mais là ils étaient trop forts. Ils étaient deux en plus. Ok, je vois que je vous ai déçu. Je vais y remédier. Mentalité shinobi! L'attaque, elle était bas de longue. Oh la vache. Putain, son attaque, elle voulait pas partir, hein. Ça brille, j'ai cru qu'il y avait un truc dedans. Putain, ils ont tout pillé, ils ont tué les innocents. Confetti divin. Confetti augmente les bénédictions divines qui chassent les ennemis fantomatiques. Faut que je monte, non, sur un toit, non? Ah bah c'est bon, j'avance. Ok, j'ai un peu de boulettes. Ok, il y a l'armée des bouffons là, ils sont 3 plus un big boy. Ceux avec les torches là, c'est des boucaves. J'ai vu comment ça criait. Sachant qu'il y a tout le monde autour. Et j'ai pas trop envie de les attirer parce qu'il y a un big boy avec un big katana là sur le côté. Ouais, si je peux éviter ce combat. Putain, lui là. Lui, j'ai pas envie de me le faire. Le problème, c'est qu'il y a trop de sbires devant. Est-ce que je peux m'accrocher au plafond? Je sais pas. Attendez. Ok, moins 2. Ouais, j'ai un bad feeling, faut que je me barre. Oh, oh, on peut pas parler pendant. Oh, il met. Kumitori Yusano. Ashida Shura Hitori.
Wesh! Ok. Ah mais non, mais ça, c'est une aide. Oh merde. Bon, je voulais pas, mais je voulais pas aider. Je pensais pas qu'il m'aiderait le mec. Putain de merde, c'est qui ce mec? Oh. Oh non. Oh, attends, la save elle est si loin. Ok. En cas de mort, l'expérience et l'essence sont divisées par deux, mais dans certains cas, cela peut être évité grâce à l'aide divine des dieux et de Bouddha. On peut éviter cette perte. Okay. Et donc là, si je veux me rebattre, faut que je fasse tout le tour et que je batte encore ces 5 sbires avant de battre le boss super dur. Oh my god. Mais là, attends, s'il y a toute la compagnie qui vient. Ils vont venir, eux, hein. Attends, et toi, veux mieux ceux, qu'est-ce que tu veux me dire? Tu t'en es bien sorti jusqu'à présent. Pour une Kadai, tu sembles être un shinobi doué. Mon devoir est de protéger le jeune seigneur, le seigneur Kuro. Si j'échoue, le seigneur Ishin ne me pardonnera jamais. Affronte-moi. Ah non, c'est normal. Ok. Oh, stylé. Ah, c'est celui de tout à l'heure. Ah, wesh, wesh, wesh. Le vieux samouraï est mort. Il s'est fait désosser le pauvre. Je dois battre lui. Dites-moi. Ok, j'ai. Ah, j'ai une boulette. Ok, faut que je batte ce vieux, ce big boy là. Sans boulette. Oh la vache. C'est qui ce mec? C'est un boss ?
Ah, c'est encore un mec que je ne pouvais pas battre ? Je suis où là ? Un mini-boss. Mes amis taïogène. Ingaïono. Nakanaka ni shini kirenu yoje. Une toux douloureuse retentit quelque part. L'homme qui tousse culte sans relâche des statues de Bouddha pour ne pas être brûlé par les flammes. Posséder cet objet réduit les chances de profiter de l'aide divine. Wesh. Plus celui qui possède l'héritage du dragon perd la vie, plus la maladie nommée peste du dragon se répand dans le monde. La peste du dragon n'est pas causée par la résurrection, mais elle a une chance de se déclencher si Lou meurt vraiment à répétition. Plus votre essence de peste est élevée, moins vous avez de chance de profiter de l'aide divine. Je suis en train de tuer le vieux monsieur là, cousin. Oh putain. Doust. Yodomi yagate. Nond. Aïnikto yaga. Ato. Je sais pas ce que je meurs, je suis en train de tuer le mec. Peste du dragon. OK. Et pourquoi je me suis réveillé ? Je peux plus retourner dans le passé maintenant ? Ah si, je peux y retourner ! Yo Reza, t'en penses quoi ? Je surkiffe le jeu. Il est vraiment incroyable, mais par contre, il a l'air chaud. Hein. Autant les trash mobs, ça va, les boss... Enfin, en fait non, là c'est un mini-boss, faut s'accrocher. Hein. Je pense en fait je vais retourner plus tard au domaine Hirata. Je vais continuer mon ascension. Parce que ça clique hein. Le gros frérot là je pense que je reviendrai un peu plus fort parce que là ça a l'air compliqué. Les saisies ne peuvent pas être déviées. Une fois saisies, vous ne pouvez éviter de subir d'importants dégâts. Mais si vous sautez ou sprintez, vous pouvez esquiver les saisies ennemies. Certaines peuvent être aussi esquivées d'un pas d'esquive. Oui, j'ai sauté. Oh là. C'est pas possible. Oh ! On peut pas mourir de chute. J'ai sauté. Oh la vache. Oh mais putain. Mais attends, mais le combat par contre, il est bas de long. Du coup, lui, je peux même pas le parer. Attends, je vais les écouter. Tout à l'heure, il disait quelque chose, je crois. Ses yeux rouges craignent le feu. Ouais, c'est ça.
À nous deux. Putain, les morts, elles vont vite, par contre, ça va deux par deux. Putain, il m'a mis un coup de pied droit, coup de pied gauche. Et je l'ai pas vu venir. Soit full life sinon il me termine. Le boss c'est un catcheur. Non, il est en train de monter le compteur très vite lui. Non.
Merde. J'ai pas pu le taper. Oh non. Ah, il me one shot, hein, j'ai pas le droit à l'erreur. En fait, si je suis pas full life, ses attaques me one shot. Je peux monter une compétence. Je pense que ça peut être bien, plusieurs attaques d'un coup. Ou fondeur de chasse. Après l'utilisation de certains outils de prothèse. Ah, ok. Ça concerne le shuriken. Ah, ça peut être bien l'attaque au shuri... Enfin, au... Comment ? L'attaque avec le grappin. Ça aussi, c'est bien pour les ennemis absurdes. Je vais prendre ça. Je vais prendre les deux. LB, L plus B, attaque tourbillonnante. Ok. Donc là maintenant. Oh là. Oh merde, mais j'ai cru que c'était en l'air l'attaque au grappin. Comment je fais ? Je sais pas comment je fais mes attaques, faudra que je teste sur le frérot. Ça va être mon point faible, hein. Esquiver les attaques comme ça, là, ça va être compliqué. Oh bah vas-y, lui, déroule. Thank you.
Faut que je prenne la deuxième potion. De Chapelet. Améliore l'effet des objets de récupération. Mais c'était close, hein. Ok, on s'est débarrassé de lui. Mais mais ça s'arrête jamais. Mais c'est quand que je peux me soigner, moi? Non, je peux pas. J'espère juste qu'il va pas ripop le monstre. Je suis obligé de repasser là-bas. Bouge. Bah, je vais prier pour pas que le gros monstre revienne. Je suis obligé de me reposer là. En soi, c'est une sorte de mini-boss. Ouais, non, c'est bon, il est pas revenu. De risque, mais c'est ma nouvelle technique là, celle où je pars son attaque et ça marche plutôt bien du coup. Hein. Je peux pas monter là. Attends, tout ça j'ai fait, ou je peux peut-être juste rentrer. Ah bah non. Longue vue des engoulements. Des engoulements, pardon. Ok, permet de voir les objets à distance. Ah, mais je suis trop bête, j'avais pas équipé en fait l'art du combat. Je vais retirer le sucre, je vais mettre la longue vue, je pense. En free poignée de centre, je m'en fiche un peu, je vais peut-être prendre ça. Ça, je pense, ça augmente les dégâts. Rouge. Faiblesse d'esprit. Ça, je vois ce que ça fait. Ah, graine de gourde. Nice. Éclat de porcelaine. Ça ne s'ouvre pas de ce côté. Ok, un Big Mac en bas. Lui, je pense qu'il est chaud. Et là, il y en a pas mal aussi. Ah si, c'est peut-être le moment de distraire. Je vais essayer de distraire. Branle complet. Lui il a deux vies, le mec en bas, donc faut que je lui fasse deux finishers.
Non, ils ont sonné l'alarme. L'alarme. Oh putain, mais il a un canon! Mais il a un fusil! Il y avait déjà des fusils à cette époque! Mais la ferme, toi! Mais. Oh putain, mais quelle poucave! Putain, je reviens pas, le chien! J'ai mal attaqué au grand maître en bas. Bonjour, mon cher ami. Il a bientôt brisé ma cape. Super dur les combats. Merde. Super dur. Ils sont tous chauds. Ok. Oh waouh. Il y a tout ça à refaire. Oh, après en soi je peux les ignorer. J'ai passé par là. Non. Oh, le combat était stylé, complet. Il est monté cette fois. Laisse-moi tuer tes sbires déjà. Oh putain, ça merde, c'est pas bon. Il y a le mec aux pompes. Oh putain. Ah mais c'est bon, il a bougé, je peux prendre ça. C'était juste pour du morceau de fer. Monte. Monte, monte. Oui, oh. Ah, il compte. Message du temple fait demi-tour si vous tenez à la vie, si vous voulez pas. Ok. Oh putain, il est là, mais il est rapide. Ah, c'est vraiment juste une safe place, ça. Hein. C'est vraiment juste une safe place. Mais je suis mort. Je peux pas revenir là. Ah,
Qui m'a repéré? Ah, je sais que c'est lâche d'attaquer dans le dos. Il me prend conduire. J'avais presque rempli sa barre. C'est quoi la barre au milieu? Je pense que c'est la barre de parade, Malugo. Genre quand la mienne est pleine ou quand la sienne est pleine, ça fait que... Wesh. Bah... Attends, mais le jeu il vient de crash dans le plus grand des calmes. Mais le jeu vient de crash. Ok. Oh non, on sent encore le bug comme l'autre fois. Non, c'est bon. Ça essaye Voto ? Oui, oui. Oui, ça essaye Voto. Ça essaye Voto. Oui, c'est bon. Hop là. Ok. Ah oui, ah, ça save vraiment, ok. Waouh. Merci Reza pour le tireur, merci. Merci à toi. Ah pour le coup, la save, c'est vraiment, ça a pris de là où ça a crash. Hein. Ah ouais, c'est stylé ça. Je récupère tout ça. C'est parce que tu joues à mon jeu préféré. Il fallait bien que j'y joue un jour ou l'autre. En vrai, ça, en vrai j'avais trop hâte. J'avais trop hâte de le tester. Merde. Je crois le mieux en fait c'est de... Je vais l'affronter direct. Ah mais non, le problème c'est qu'il y a... Oh putain. En fait c'est ça le problème, c'est que les monstres... Enfin les... Les persos compliqués à battre, ils sont jamais seuls. Parce qu'en soi, je pourrais me battre contre lui 1v1. Why not? Mais le problème c'est que là il y a des putains de mecs en haut. Putain. Oh là 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 là. C'est ça qui est galère en fait. C'est pas, c'est que c'est jamais du 1v1. Il est où votre honneur? Attendez, je vais me faire. Tu peux, toi? Ok, je me fais lui et après je suis en vie. Non, il reste un mec. Oh
perdu trop de PV contre eux. Ok, à nous deux. Et là, ma barre de posture, elle est pleine. J'aurais dû sauter. Oh ! Ok, ça commence à venir. Contre eux. Ouais, mais là ça vaut pas le coup, j'ai déjà pris trop de dégâts. Il se barre ? Oh là, vas-y, barre-toi, toi. Je vais tuer tes potes. Ah ouais, mais putain. Je veux bien juste un conseil, ouais, pour l'approche, Reza. Genre, comment faire, parce que... Le problème, c'est que j'ai l'impression... C'est que j'ai l'impression que... Ouais, bah, tu... en fait, le combat, c'est du 10 contre 1. Il est où, lui ?
Ah oui, ok. Ok, maintenant, à nous deux. Oh, j'ai enlevé déjà une vie comme ça. Ok, ouais, je peux venir sneaky et je leur tire une vie. Sans ça, sinon ça va être trop long. Oh non? Ok, c'est bon. Wesh, c'est quoi ça? Aide divine. Ouais, je peux pas ouvrir par là. Ouais, j'abuse. Je vais me barrer, je vais lui faire un coup en douce. Ah, par le trou. Ah oui, c'est ça, oui, j'ai fumé. Ouais. Attends. Donc je vais temporiser, histoire qu'il oublie le mec. Je vais tuer son sbire. Maintenant, il n'y a plus que lui et moi. Il est où? Il est où? Il est mort de vieillesse? Faut absolument que je retire une barre de vie déjà, sinon c'est trop dur. Thank you.
Let's go. Putain, il était chaud. Bon, maintenant, ne pas mourir. Ah, des boulettes. Quoi ? Il y a une save en bas. Ça, je prends volontiers la save. L'annonce du nouveau perso. C'est quoi? C'est pas un perso genre qui peut mettre des sortes de murs qui se déclenchent dès que les gens passent dessus. Pareil pour la flash. L'ulti, c'est un truc. C'est des ronces au sol là, de ce que j'ai vu. J'ai juste vu passer vite fait, mais j'ai pas regardé tous les sorts. Mais il a l'air pas mal alors. Enfin, sur le papier en tout cas. La page est faite, mais y a plus qu'en face. Et du coup, je peux. Ou faut peut-être que je saute ? Non. Bon, déjà, j'ai une save, ça c'est bien. Actuellement, tu dirais que tu joues plus la barre de vue ou la barre de posture ? Contre les boss, bah en vrai. Enfin, contre lui par exemple, je visais la barre de posture. Hein. La barre de vie, je pense, c'est pas la peine. Je vais voir là-bas. Je pense que c'est ça, c'est relié à la porte. Ah si, elle est ouverte en fait. Fais demi-tour si vous tenez à la vie, si vous ne pouvez pas couper la tête de ceux qui n'en ont pas. Nos épées et nos piques ne serviront à rien. N'ont servi à rien, pardon. En fait, là-bas, il y a un truc, mais je ne peux pas m'accrocher. Oh, merci. Ça, c'est bien de pas mourir à la moindre chute. Je remonte pas là-bas. Là, c'est lui en fait. Je suis obligé de me reposer. Ça change d'Elden Ring, pardon, où tu meurs. Ah bah oui. Ah mais putain. C'était juste ici. Grappin et rien, ok, c'est ce que j'avais vu avant. Je peux plus m'accrocher là. Avec le frérot.
je peux l'attaquer? Non, on va pas l'attaquer. Frérot, va ailleurs. Frérot, trace ta route! Je suis chill. Dégage! Ouais, merci. Trace. Il veut me faire. Oh merde, oh. Il est où? Caresse-le. Je vais pas le caresser. Je le caresse? Oh. Je suis en dessous, il va pas me voir. Après là j'ai l'impression qu'il est un peu bad contre le serpent quand même. Oh sa mère. Cache-toi. Je meurs. Wesh. Ok, en vrai j'ai eu un doute, je savais pas s'il m'attaquait vraiment ou pas. Y'a plus de place pour le doute. Tellement en train de speedrun ce bouffon de serpent. Ok, maintenant je sais où je dois aller. Je rush la cabane, je lui plante l'œil et après faut que je taille, je crois. En fait, j'aimerais bien aller au-dessus parce qu'il y a du loot, il y a un truc qui brille.
j'aille où? Faut que j'aille où? Ouais, je sais pas où je dois aller après l'avoir attaqué. En fait, c'est quoi? Je suis en combat de boss ou faut juste que... Je préfère que ce soit un serpent qu'une... Ouais, bah oui. Je préfère assurer le coup. Bah là c'est my bad, j'ai voulu aller trop vite. Oh non non non. Putain, je suis en train de propager la peste, le vieux monsieur il va bientôt mourir. Ah merde, j'aurais pas dû. J'aurais dû m'accrocher, j'ai eu un doute. Faut que j'analyse les environs. Genre par où je peux me barrer? Aïe. J'ai mis ce clic. Je suis dans le beau drap. Oh la vache. Il va être con au point de revenir une deuxième fois ? Faut que je me soigne en fait. S'il te plaît, reviens. Oh,
putain, j'ai chaud. Oh. Non, l'idiot du village. Taï. Cours. Ok. Je me cache, je lui plante l'œil. Il est pas con du coup au point de revenir une deuxième fois, donc ça sert à rien de le planter deux fois. Je pense, je le pique et je me barre. Là en fait, à partir du moment où je le plante, il est en pétard. J'aime bien, c'est un samouraï qui mange des sucreries. Ok, j'ai une save. Let's go. Nice. Est-ce que j'ai de quoi monter une compétence? Non. Bah non, je suis zéro et j'ai fait que mourir. J'ai pas de thune non plus. J'ai pas encore les perles de chapelet pour de toute façon monter une compétence. Ouais, ok. Bon. Eh bien, je vais faire ma première petite pause. Première petite pause, je vais aller chercher... Je vais me faire un petit café glacé, je pense. Petit café glacé, puis on se retrouve dans 5 petites minutes pour la suite. La suite de Sekiro.